je veux vraiment que les gens comprennent que c'est toujours de la guérison. Quand les gens viennent me voir et qu'ils m'expliquent leurs problèmes, moi, là, je comprends le langage du corps humain tout le temps, tout le temps. Je suis en train de comprendre comment le corps, par différentes façons, essaye de se guérir chez cette personne-là. Exact. Il essaie continuellement d'éliminer ce qui lui cause des problèmes, mais la personne, elle identifie ça comme des problèmes. Non, c'est ça. Pense que son corps fait des problèmes, que son corps marche pas bien. Le corps marche tout le temps bien. Tout le temps. C'est l'expression de l'intelligence divine. Donc, ouais. Il donne pas ce qu'il a de besoin. Exact. Au niveau nourriture, pensée, etc. Mais mon corps répond à ça. Il répond par des messages. Exact. Et, arrête de fumer, arrête de manger comme ça, je me sens pas bien. Mais le problème, c'est qu'on devient habitué à ça. Exact. Et l'histoire donc, de nicotine... Le corps devient l'esprit. C'est vraiment spécial. Comme quand tellement. Tantôt, quand tu disais « la salade de couleur m'intéresse pas », mais c'est parce que dans la vie, il manque de couleurs aussi à ce moment-là. Uh-huh. Chaque couleur est une vibration. Tout est fréquence, tout est vibration. Plus je suis noir, plus j'ai le goût de manger la protéine, une assiette où il n'y a pas de couleur dedans. Ça va tout, c'est tout pareil.